Aujourd'hui, je te propose de réaliser un flan de courgettes au fromage de chèvre et comme d'habitude, c'est une recette hyper simple. Alors, je vais commencer par couper des courgettes en petits cubes et je vais également hacher de l'ail. Ça va très bien se marier avec le fromage de chèvre et les courgettes. Ensuite, dans une poêle bien chaude, je verse de l'huile d'olive et je vais ajouter les courgettes. Et je vais les faire revenir environ 10 minutes. À côté de ça, je vais réaliser l'appareil à flan. Donc, dans un bol, je viens fouetter un œuf. J'ajoute le lait et je vais aussi ajouter un beau morceau de fromage de chèvre frais. Avec le fouet, je vais l'écraser un peu. Si c'est pas bien dissous, c'est pas très grave. Comme d'habitude, j'assaisonne avec du sel et du poivre. Ensuite, je reviens à mes courgettes. Donc quand tu vois que ça commence à accrocher au fond de la poêle, c'est le bon moment pour ajouter l'ail. Et une fois que tu as mis l'ail, je te conseille de laisser revenir 2 minutes de plus. Une fois que c'est cuit, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans des petites cocottes. Alors tu peux aussi mettre ça dans un grand plat à gratin. J'ai plus qu'à répartir l'appareil à flan. J'ajoute une tranche de fromage de chèvre sur le dessus et j'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit, il faut laisser tiédir et il n'y a plus qu'à déguster.